On m'a emmené de la valse. Vous jouez pas. Allez, salut. Salut à tout le monde, donc bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc, on est pour le péage. Donc, la pétanque morsoise reçoit la pétanque de Malice Ardoise. Donc, après les têtes à tête, Mourse mène 4 à 2. Donc, du coup, il mène 8 à 4. Donc, leur objectif, c'est de gagner au moins un doublette. Sinon, la rencontre sera terminée. Non, il y a. C'est bien ça, 8 à 4. Donc, les résultats des têtes à tête, je vais vous les donner. Prémaillon, Sandrine a gagné 13 à 9 contre Violette. Conning David a perdu 13 à 7 contre Mathias Johan. Humbert Benoît a perdu 8 à 13 contre Tripois Evie. Hilarion Joris a gagné 13 à 2 contre Bouvier Quintin. Zug Alexandre a gagné 13 à 8 contre Tom Bouvier. Et Bouson Yann a gagné 13 à 4 contre Gagnoir Elliott. Donc pour les doublettes, je vais vous présenter Hilarion Joris et Zug Alexandre qui vont jouer contre Mathias Johan et Dolores Julien. Voilà. Pas de soucis. Hervé, il y a Bruno le Bortico qui te passe le bonjour. Et pense à faire le sourire. Bruno, moi c'est le bourrico. Et voilà, salut Yannick. Donc j'espère que le son est arrivé et tout. On devrait être un petit peu mieux. Allez, l'équipe de Malissard qui démarre. On est sur la première main. Donc je suis accompagné. Je suis accompagné de notre ami. Mais je sais qu'il y a le son, il est là, regarde. Elle est là, ma barre de son. Ah, il y a une minute de décalage. Donc je suis accompagné par notre ami Michou Bilou. Benoît, tu vas peut-être commenter. Après, si tu dois rentrer, tu arrêteras. Mais si tu veux commenter, je te laisse le casque. Si. Il ne te voyait pas. Allez. Donc c'est Julien Delauras qui va pointer dans l'équipe de Malissard. Donc une équipe très offensive. Bah, à mon avis. À Malissard, ils ont monté des équipes offensives puisque de à côté il y a Tom Bouvier qui joue avec Tripos Davy. C'est pareil, c'est deux tireurs purs. Donc voilà. Allez, Julien qui vient d'engager. Il est 62 ans. Donc du côté de Mourse, c'est notre ami Hervé Zut qui pointe. Donc je vous rappelle, à la sortie des doublettes, Malissard est mené 2 à 4. Allez, j'espère juste qu'on aura un tout petit peu de réseau. Regarde. Tu décales. Enlève-le, ça. Non, mais ça, c'est pas grave, l'écran. Allez. Voilà, Johan Mathias hein, qui va tirer, donc, le petit prodige du club de Malissard. Donc, je vous rappelle les coachs pour ces équipes. Donc, pour Mourse, vous avez notre ami Philippe Zug, qui a rejoint le club cette année et qui coach l'équipe de la pétanque morsoise. Et de l'autre côté, bah, c'est l'éternel président, monsieur Mathias Jean-Louis, le coach. Voilà, bien tiré. Hein. Ce jeune fait beaucoup de carreaux. Donc c'est pour ça, quand tu as la possibilité de mettre un gars derrière qui tire bien, comme Julien, c'est pas facile à battre cette équipe. Alors les têtes à tête, il y a 4 à 2. Pour l'équipe de Mourse. Donc voilà, après vous avez une équipe expérimentée puisque Joris et Hervé sont habitués à jouer ensemble. Donc 4 à 2 Kimo pour l'équipe de. Vous m'entendez?
Allez, Joris part à l'attaque. Alors, je sais pas s'il est en défendre un ou deux. Bien tiré de la part de Joris, qui a fait un très très bon tête-à-tête, hein, qui a été très expéditif. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir notre ami Michou Bilou avec sa couette à la caméra. D'ailleurs, tiens, il y a le Bruno le Boursicot qui est sur le live. Voilà, Bruno, tu as le bonjour de monsieur Broyer Michel dit Couetteman. Je peux te dire, Bruno, sa femme Michel, elle est bien faite pour vivre avec lui. Hein. Là, Bruno, tu as le bonjour de Germain. Allez, ben, Joris va tirer pour casser du point derrière, s'ils ont deux jolis points devant. Si le son est faible, on va l'augmenter. Ben, tu m'entends, Bruno? Tu as le bonjour de monsieur Broyer Michel qui te passe le bonjour. Allez, 4 boules à 1, ils vont aller tirer devant pour faire de la place. S'ils tirent bien, ça peut être pas mal. Ils ont raison, ça va faire de la place. À mon avis, il va tirer la première toute devant. Donc voilà. Ah bah non, il a tiré à la plus proche. Et il a fait carreau, donc du coup, ça fait jouer. Bien joué. Bien tiré, hein. Deux tirés, deux cassés. Il trop passe au bonjour, Bruno. Ouais, bah oui. Fais gaffe, Bruno, il arrive, Michel, après. Ça va, François? Ça va, toi? Allez. Joris l'a pas gagné. Alors, est-ce qu'ils vont les tirer devant? S'il tire devant et qu'il l'a fait passer, c'est quasiment 3 gratuits. Hein. Non, ils vont aller pointer. Derrière mon Robert, ben on essaye de faire ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, nous on est une petite association de bénévoles. Et on s'agrandit. Ah, il est un peu court, je joue. Alors je sais pas s'il compte. Apparemment il y est. Bon, je viens qu'il n'a pas joué les têtes à tête. Je vous rappelle, pour Valissard, c'est David Ripoz et Johan Mathias qui l'ont gagné. Comme Benoît Humbert et puis David Koning. Bien joué, hein, il y en a trois. Ah, ils peuvent faire une jolie main pour démarrer. Qu'est-ce que t'en penses, mon Michou Bilou? Ça peut faire une jolie main, 4 d'entrée. Michou, tu deviendrais à côté de moi, tu verrais mieux, là. Non, je suis bien. Non, mais je comprends pas, parce que... Ah bah, faut que tu viennes bonheur dans les concours pour commenter. Allez, on va voir combien il y en a. Joris, Jojo, 3 ou 4? Ben voilà, ils ont bien profité parce qu'ils en ont fait 3 la première main. Voilà. Allez. Moi j'en ai deux comme ça pour l'association. Allez. Voilà. Michel raconte de la merde, ça bug. T'as combien de vues là? 64 millions. Non, Benjamin, c'est le boulot de la pétanque 200, du moins de monsieur Canet de la 235.
Donc voilà, qui sont en location. Donc, allez, Joris. Bien tiré de la part de Joris. Voilà, Joris a fait un petit carreau pour démarrer la main. 3 sur 3 avec bien tiré. Hein. Coucou Charlotte. Bien tiré de la part de Joris. Hein. Oh, bon. Johan qui contre-attaque direct. Il est juste pas droit. Est-ce qu'ils vont retirer tout de suite ou pas? Moi j'aurais retiré 4 boules à 5. Il est ingagnable, il va pointer pour retirer derrière. Johan, il est capable de bien la tirer. Allez la caillette. On a les yeux blonds. Allez Johan. Il va tirer encore. Johan tire très bien. Très bon tir, très bon jeune. C'est une équipe de jeunes, Malissa. Alors, allez, il y a de la place pour Hervé. Bien tiré encore. Dieu, là-bas, ça l'a bombardé, là-bas. Oui, oui, mais je veux dire, en face, il y a Davy avec Tom. Ouais, ça pointe pas beaucoup dans la partie, là-bas. Ah, mais c'est les sponsors de la pétanque de Mours qui ont été emmenés. Ils ont emmené leur pancarte, ce qui est normal. Hein. Donc voilà. En plus, il y a beaucoup de monde hein, quand même qui est là pour regarder la partie. Il y a une centaine de personnes dans Pétanque Europe. C'est bien, c'est très bien. Ouais, ouais, parce que. Voilà, c'est ça. Il y a Michel, il a bloqué l'entrée à 100. Du coup, il y en a qui sont encore dehors. Ils attendent là, les pauvres. Dès qu'il y en a un qui part, il peut rentrer. Darien, bah, je suis désolé. Je fais ce que je peux de mon petit Mika puisque j'ai un gros problème. C'est que j'ai pas pu mettre la deuxième caméra. Il n'y a pas de place au fond. Et en plus, la connexion internet est très compliquée à dans ce pétanquodrome. Benjamin, bah si, c'est la vérité. Allez, Julien va essayer de le gagner. C'est important pour lui de le gagner. Ah, il a bien joué. Il a très bien pointé parce que le bouchon il est en direction de ses boules derrière. Elles attendent que ça. En fait, c'est les. Ouais, c'est compliqué. C'est deux tenues de Malissard. C'est bien les tenues de Malissard, mais ils en ont deux en fait. Bien tiré de la part de Joris, ça est passé seul. Et ben une boule pour Malissard et deux pour notre ami Yeux Blonds. Thierry Vézug. Bah allez, Johan va essayer de gagner. Ah bah mon petit Romaric, oui c'est sûr qu'il y a un bon aller. Là-haut tu dois pas avoir bien chaud. Ah, elle a gagné. Allez, il va forcer Hervé à bien tirer pour marquer. Bon, il en a deux. Hein. Je suis pas inquiet pour Hervé parce que avec l'expérience qu'il a, deux ça devrait lui suffire pour faire la main. Ils peuvent recoller s'il tire bien.
Il est droit, mais il est court. Mais faut taper pour marquer. C'est manqué double, dommage, il a pas profité, donc du coup nos petits jeunes de Malissard continuent leur chemin. Et ben un point supplémentaire pour nos amis de Malissard, pour les petits jeunes qui continuent, ils n'avaient pas la main pour eux et. Je sais pas, ils sont pas d'accord sur un truc dans le jeu d'à côté. Allez, ils essayent de tenir long, hein, les petits jeunes de Malissard. Ah ouais, bah va, si tu veux que je te dise. Julien au point. Ah, il a envoyé un petit peu loin, elle a bien roulé sa boule. Elle a bien roulé sa boule. C'est ça, Coco, que le meilleur gagne pour le moment. Mours sont 4 à 2 sur, après les têtes à tête. Bien joué. Non, 19h30, Romaric. Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu mettre la caméra au fond, mais il a embouchonné quasiment Hervé. Parce que le problème qu'il y a, c'est que derrière, au jeu du fond, il n'y a pas de place. Donc, j'ai pas pu installer de caméra au fond, je suis désolé. C'était prévu qu'on en mette une. Oh, il est 5, 10 devant, même pas, elle est manquée. Ouais, ouais, franchement, il doit avoir les boules là. Allez, Johan repart au tir. Allez, c'est important pour retaper. Ah, bien tiré. Il a cadré. Ah non, elle est noyée aussi. Salut Phil. Ça va mon Fifi? Prêt mon Fifi. Alors maintenant on verra si la santé me laisse tranquille, mais prêt. Ah ben je te dis merde mon petit coco pour ton premier tour de Coupe de France. Voilà, en espérant que ça vous porte chance. Et ben Julien, ah, il a bien joué, il l'a gagné. Il l'a gagné face au bouchon. Ça joue bien, hein, là ça joue très bien. Non, je sais pas. Non mais tu demandes à David mesurer la tirette. Ah Joris, il est bien dans sa partie, hein. Il a encore pas manqué. En plus il a fait le ciseau derrière, il doit en avoir deux par terre.
Ça va, mon petit Alain Pagès? Ouais, mon Fifi, il va tout gagner cette année. Sauf le promotion. Ah, bien joué encore, hein. Bien joué encore de la part de Julien, puisqu'il l'a encore gagné. Mais bon, Mours, ils ont encore trois boules en main pour une. Allez, je vais jouer de C. Ah, il est un peu court. Dommage. Allez, c'est pas grave, ils ont encore la boule d'avance. Allez, pas droit. Putain, il manque une. Pardon. Ils sont en train de manger une main là. Du coup, Johan se retrouve avec la boule de Marc. Est sorti, ça non. Ah non, il n'est pas sorti. Ouh, mais les Sars en ont peut-être 3. Ah, je sais pas où il est le point. Ah non, ça c'est à eux. Mais il en a peut-être, il tire peut-être à 3. Ouais, les championnats ils approchent. Hein. Mon petit, je te souhaite. C'est bien mon petit Enzo, je te le souhaite de le gagner. Avec qui tu joues mon petit Enzo pour le promotion alors? Avec Laurent Dumas et Mika? Ah, je crois bien qu'il tire à 3, hein, le petit Johan. Donc, s'il tire à 3. S'il tire à 3, il va y aller. Hein. Il a 4 au carreau. Ouais, bah oui. En même temps, voilà, c'est ça. Si t'achètes les parties, mon petit Enzo, tu peux que gagner comme ça. Tu joues avec le président. Allez, boule importante. Ah, il est pas droit. Ça doit faire un point pour nos amis Moursois. C'est dommage parce qu'il avait une très très belle opportunité. Il tirait à 3, 4 au carreau. Il tirait à 4 au carreau, mais voilà, ça s'est pas passé comme ça. Donc du coup, Mours décolle. Bonne chose pour eux. Les boules c'est bête hein, parce que ils avaient la main en début de partie, en début Morse, et après ils l'ont mangé en manquant en triple. Puis à la sortie il marque. Ce Johan il est pas droit. Ah vas-y. Ah mais Enzo, toi faut pas quitter des cailloux, sinon tu vas jamais y arriver mon petit Enzo. Allez Hervé, hein, à son habitude. Je cherche pas à comprendre, il envoie et puis jamais bien loin. Et ben Julien va essayer de le gagner. Ouais, il a encore bien joué, je joue costaud. Hein. C'est une sacrée partie, le petit Julien, là. Il a joué ce tir. Hein. C'est important qu'il tape après ses deux échecs. Il y a du monde, hein, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Ah oui, franchement, le pétanque-drome est plein. Il y a autant de Malissardois que de Moursois et de supporters neutres. Allez, moi je leur demande pas trop de bouger aux joueurs parce qu'ils ont leur habitude et je veux pas les perturber. Allez, il a dû rentrer en second.
Elle est très bien jouée encore ce boule. Ça, ça bombarde là-bas. Eh ben, Johan au tir. Si Johan, il va essayer. Oh, il est 10 devant la boule, elle est manquée. Eh bien, tiens, sa boule, il n'y a rien à dire. Bien, il manquait. Au tir de précision, mon Michoubidou, il aurait dit ça fait 0. Oui, j'ai vu, c'est Monsieur Benistan. Félicitations à lui d'ailleurs, tiens au passage. Contre un ami de Montpellier. Je me rappelle plus le nom, je veux pas dire de bêtises. Ah, ils sont condamnés à pointer là. Allez, Johan repart au tir. Pas d'un risque, pas manqué là. Il a fait passer, mais 4 boules à 2 pour nos amis morsois, 2 points en seconde, à mon avis. Voilà. Tu as raison, notre ami Jérémy. Et des deux côtés, hein. Mours aussi, c'est un très bon club. C'est deux très bons clubs de la Drôme, mais c'est pour ça qu'on a une très belle rencontre. Et je suis très content d'être là ce soir. Bien sûr que ça tient bien. Mais mon petit Fifi, personne peut te battre. Hervé, il n'a pas bougé. C'est même dommage parce qu'ils auraient pu retirer. 3 boules à 2, le point à 2 points de seconde. Il me semble que dans notre doublette là-bas, il y a. Ah, pardon, j'avais pas vu qui tirait. Il a fait passer. Il a fait passer. Ah, il y a eu un changement, Tom Bouvier est sorti, il laisse sa place à Elliott dans la... Ça réfléchit bien, c'est un... ils ont un jeu posé pour deux jeunes, c'est bien. Ah, il tire au point. Ah, il décide de contre-attaquer. Sans deux boules à une, il décide de tirer. Bien tiré. Salut mon Francky. Donc dans la doublette là-bas, il y a notre ami David Ripoz qui joue et Elliot qui vient de rentrer, ils sont menés 0-10. Donc Mours mène 10-0, il y a deuxième bouson. Voilà, allez, Julien va tirer à la marque. Ah, Juju va tirer à la marque, un très bon tireur aussi Julien. Je croyais que c'était l'ordi, j'allais dire. Allez, Julien pour sa première boule au tir.
Juste franchi, ça fait 2 mains de suite qu'ils ont la boule de marque et qu'ils ne marquent pas. Voilà. Du coup, Malice Mours profite. 4 à 2. Du coup, Mours continue de profiter. Voilà, Hervé l'a bien gagné et du coup, il a été obligé de tirer. Non. Jérémy, Davy, il joue. Annie, elle joue avec. Avec Quentin Bouvier. Dans le mixte. Voilà. Donc voilà. Ouais. Les Choubidou, il va manger McDonald's ce soir. Ouais, il croyait que monsieur Bruno le Boursicot allait emmener le saucisson et le pâté, mais non. Ouais, il regarde. Bah, c'est compliqué, ouais, je crois que sur l'homogénéité, c'est même les pauvres Moursois, quand il y en a un qui joue en t-shirt, bien tiré de la part de Yohan. Ah, il n'était pas convié, dit Bruno. Ben, non, le convié, Michel. Putain, ah, il a fait de la place, Joris. Eh ben, on lui passera le bonjour à notre ami Jean-Louis, s'il n'y a pas de souci. Encore bien joué de la part de Hervé, ça y est, Hervé a pris le rythme. Il a manqué une ou deux boules en début de partie, mais là il est parti. Belle main pour Johan, pour l'équipe de Malissard, si Johan est bien tiré. Allez, il est au pied, il n'en tape pas une au pied. Hein. Il les manque toutes comme ça. 10 devant, il en manque pas une. Il en tape pas une, malheureusement pour lui. Je sais pas. Jean-Louis, tu sais combien il y a au mixte? Je vais te ramener le score, Océane. Allez, Yohan, il retire. En tout cas, il y a une chose qui est bien, c'est que c'est des jolis terrains. Pas facile. Ah, Johan, il tient un peu moins bien depuis tout à l'heure, malheureusement. C'est ça, alors que sa première est très bien tirée, il a raison, Michel. Il y a 6 à 2 pour Malissard dans le mixte. Voilà. Ah, c'est dommage parce qu'ils avaient une belle main si Johan il a le bonheur de faire un petit effort. Malheureusement, il a super bien tiré sa deuxième, elle s'est pas donnée. S'il était même pas 10 devant, elle est manquée, puis il la touche. Hein. Mais après, voilà, malheureusement, bien joué de la part de Juju. Après, c'est vrai qu'on aurait pu pointer d'entrée, mais ils ont voulu s'il faut une bonne main et les enterrer. Alors, maintenant, c'est pas laissé assez mours sur la belle main. Ah. Malheureusement, le 24 mars, c'est oui, mais moi je finis à 20h30, c'est dommage, sinon j'aurais pu venir vous voir. Si je dis pas de bêtises. Ah non, je vais voir avec Stéphane si je peux venir filmer. Vous jouez contre qui, Romain? Contre qui vous jouez, mon petit Bruno?
Ouais, ça c'est vrai, Mika, t'as raison, c'est la question spéciale, Richard. Ah, elle a pas gagné. Bien joué, hein. En tout cas, elle est là. Là, il faut qu'il vienne se mélanger, hein, parce que. Ça, c'est pas bien joué. Tire à deux, Joris. Donc... Qu'est-ce que c'est que ça? Il joue le 4? Je crois qu'il y a un petit problème là. Ah, après il joue le 4 parce que les jeux font 5 mètres de large. Du coup, ils font un point pour Mourse. Ah oui, ça joue le 4 parce qu'en fait il y a. Les jeux font 5 mètres de large. Ah mince. Voilà. Ça y est, Hervé est rentré dans sa partie. Voilà. Et Yoann au tir. Ah, c'est important, parce qu'il est sur deux échecs. Alors, ils sont pas si mal tirés. Mais ça, c'est deux boules, hein, mais sans manquer, malheureusement pour lui. Ah, tu as tiré. Dans le mixte, Malissard sont bien. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a Alexandre Zuf qui sort et si je dis pas de bêtises, et Benoît Humbert qui rentre. Voilà. Dans le mixte pour Morse, il y a eu un changement. Eh oui, ah, comment ça va mon petit Titi? Ah par contre, il y a Davy là-bas, il a enclenché la machine à carreaux. Trois vient d'en poser. Ah, est-ce qu'il y en a assez ou pas? Mais non, il n'y en a pas assez, je la voyais pas derrière. Mais bon, ça fait de la place. Partout, t'as raison, c'est deux très belles équipes de notre comité, du moins du comité de la drôme, parce que moi j'y suis plus. Ah, il a fait devant deux boules, ça c'est important ça. On aurait dit un grand Jean-Louis de l'époque. Derrière, on fait ce qu'on peut. Et ben Hervé hein, qui va essayer de s'employer pour le gagner. Ah, bien joué, ça y est. Je vous dis, Hervé est rentré dans sa partie, il n'en manque plus. Et ben, Johan va tirer. Parce qu'il défend le devant de boule. Non, je sais pas, Bruno, je suis désolé. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je sais pas. Ah, casquette. Il n'a pas de réussite sur ce tir.
Il est marqué là, Jean-Louis. Allez, Julien au point. Jean-Louis, tu veux le score de la partie, il est marqué là. Oui, c'est vrai. Je connais pas le club de Cléon, je sais pas qui c'est qu'il y a. Mais les Sarres, ils ont attaqué leur remontée là-bas. Ils en ont encore 3 ou 4 par terre. La semaine d'avant, ils en ont fait. Dernière boule de la semaine là. Et ben il l'a gagné, mais ils en ont plus. Allez, ben l'équipe de Joris en a 3 pour me décrocher la marque déjà, et après voir plus. Allez, franchi, tiens, c'est un très bon tireur, Joris. Alors, Cathy, c'est notre ami Michel Broyer qui parle à côté de moi. Mais il connaît rien aux boules. Moi, je connais que la pêche. Ah, c'est dommage parce qu'il avait une bonne main pour lui. Il vient de manquer double. Allez, faut qu'il tape celle-là. Faut qu'il marque. Parce que s'il ne marque pas avec 3 boules en main pour le tireur, c'est... Faut au moins qu'ils tapent pour décrocher la marque. C'est important pour eux. Non, ils sont très durs au point. Allez, c'est rien, c'est 4 à 4. Mais bon, ça fait un petit moment que les jeunes de Malissard n'ont pas marqué, donc il va falloir qu'ils se remettent un petit coup là. D'accord. Merci Ben pour Gérard. Merci Ben pour les informations. Moi j'ai quitté la Drôme, je suis désolé, donc j'ai un peu abandonné l'actualité des clubs. Merci pour cette information. Donc voilà, Bruno. Bruno, une belle rencontre à toi pour le 24 mars. Avec l'équipe que vous avez, je pense que ça devrait le faire. Non ? Voilà, allez Hervé. Et mon pauvre Tartouf, je serais venu avec grand plaisir, mais demain je suis à Yssingeau pour caler la finale des jeunes de la région. Donc voilà, j'ai. Sinon j'aurais été à 7. Bien tiré de la part de Johan. Donc pour finir, ouais, je suis pas là. Demain j'ai rendez-vous avec le club d'Yssingeau pour caler la finale jeune aura. Donc voilà, c'est notre priorité à nous pour le circuit de notre région. Allez, Hervé au tir. Encore gagné, bien pointé de la part de Hervé. Je pense qu'ils vont continuer, les jeunes de Malissard. Ils sont capables. Bien tiré de la part de Johan encore. Il y en a deux par terre. Hein. Bien tiré deux fois. On aurait dit mon...
du grand Johan Mathias. Ça y est, ça va lui faire du bien, ça. Voilà. Hervé, il est rentré dans son parti, ça y est, Hervé. Bien tiré trop fort. Je crois que dans l'autre doublette là-bas masculine, ils vont tirer au bouchon. Bizarre. Ah non, ils vont tirer à la boule. Allez. Je crois que Mours vont gagner la première doublette là-bas. Ah, il en a fait deux. Alors ça change rien parce que Julien il en a trois pour en taper trois de toute façon dans la main. Donc déjà la première. Voilà, il en a tapé une, maintenant il en a une. Salut mon petit Damien. Allez, celle-là est importante pour Julien. Parce que s'il la tape, il va se laisser une belle mène. Ah, il en a quatre par terre et boule à boule. Celle-là elle est importante. Ah, ils ont fait 5 sur 5 hein, au tir, comme au point. Hein. Bah, je crois bien qu'ils n'ont pas fini là-bas. Ils en avaient 3 pour en glisser 2, ils en ont glissé qu'un, ça fait 12. Déjà, ce qui est important, Joris l'a gagné. Eh ben, une boule importante là. Il y a une ambiance là, tranquille. Hein. Une boule très importante parce que là. Là, il tient à 4, 5 ou carreau. Ça peut faire un sacré break. Ah, je sais pas, Richard, pourquoi tu me dois 20 euros. Bravo. Eh ben, ils ont fait 6 sur 6, belle main hein, des deux côtés. Ah, bah oui, ils en ont 6 sur 6 avec 4 carreaux. Ah, bah oui. Très belle main hein, de la part de nos amis Malissardois et puis même de Mours, hein, parce que ça a été une belle main. Ils ont fait 6 sur 6 avec 4 palets. Donc rien à dire. Hein. Pourquoi tu me dois 20 euros, mon Richou Bilou ? Rien à dire. Hein. Bien joué 6 fois, d'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà. Ah oui, Océane, ils ont fait une belle main. Tu peux les féliciter. Il y a mon Michou, il a marqué le but sur l'écran. Par contre, je vois plus rien autour de l'écran, il n'y a que des traces rouges maintenant.
Eh ben. Alors, Yacine, salut, tu vas bien? Donc, Mours mène 4 à 2 après les têtes à tête. Ah, bien joué. Ah, Julien fait une super partie, hein, que ce soit au point ou au tir. Il a 3 sur 4 au tir, il a très bien pointé depuis le début. Franchement, c'est même bizarre qu'ils attaquent pas, parce que là, il y a un point à 30 du bouchon, il est perdable facile. Alors, Hervé. Très bon pointeur. Hein. Bravo, Mino. Hervé au point. Voilà. Du grand Hervé. Hervé gagne tous les points, ça y est. Très sérieux, très costaud, ça joue très bien. Ah, il est un petit peu court. Oui, salut mon patouné. Ah oui, Hervé, c'est un monstre au point. En doublette, ce qui est bien, c'est que tu l'as en pointeur, mais il est capable de taper autant de boules qu'un tireur devant lui. Allez, il a encore joué le point, je jure. Bien sûr, coucou. Si elle est triplette, bien sûr, on les passera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Avec Michou, Bidou, on est en forme pour commenter les triplettes si elles sont là. Eh oui. Ah, surtout que la chaîne L'Équipe elle est plus sur la pétanque, donc tu pourras pas trop commenter avec lui. Et un plus, c'est fini. Ouais. Allez, Hervé. Et voilà. Hervé, il perd. On dirait qu'il joue dans sa cour. Il y a Bruno le Borsico, il est fier là. Il y a Bruno, il a dit le plus grand pointeur, le blond. Johan. Johan, il alterne le très très bon et le moins bon. Alors Cathy, pour la 25e fois, bah, Mours mène 8 à 4 après les têtes à tête. Il faut que Malissa, pour rester dans la partie, gagne au moins un doublette, sinon ça sera fini. Ah, ben Malissa a gagné la première doublette. Bah ben là-bas, ils en font 5, Malissa. Il y a le feu là. Là-bas, il menait 10 à 0 et je sais pas s'il n'y a pas de 12-12. Il y a 12-12 là-bas. Il a envoyé en temps, il décolle les boules, il a vu en haut, 8-5. La dernière, elle a posé comme ça. Eh ben, je vous annonce que c'est très très serré, c'est très bien. Que Malissar ont gagné déjà la première doublette, donc quoi qu'il arrive, il y aura les triplettes. Donc voilà, maintenant ils sont bien dans celle-là pour le moment. Alors là, la mène elle est en avantage, oui. Ah putain, j'avais pas vu, personne me l'a dit. Ouais. Mais Choubidou, il passe son temps à faire les croix sur l'écran.
Aïe, aïe, aïe. Une très belle mène pour les Malissardois, là. Pour les Moursois, pardon. Non, mais si Manu... Manu, t'arrêtes tes conneries. C'est ça. Je pense qu'il a raison de vouloir tirer tout de suite. Donc ça, après, il a juste à passer les boules devant. C'est ça. Ils vont aller tirer tout de suite. Alors ça, c'est le score de la partie. Mon ami que tu vois à l'écran, là, après les têtes à tête. Donc voilà. Alors, les têtes. Là, c'est le doublette. Le doublette, Malissa emmène 8 à 4 dans sa partie. Voilà, bien tiré. Bien tiré de la part de Joris. Donc, dans la partie, Malissa emmène 8 à 4. Le point par terre pour Mours. 3 boules en main. Il peut y avoir 8 à 8 à la sortie de la main. Et dans l'autre, et après les têtes à tête, donc Malissa en ont gagné 2 et Mours en ont gagné 4. Voilà. Encore bien joué de la part de Hervé. Hervé, ça y est, hein, il manque plus une boule. Hein. Bien envoyé, hein. Ça fait 8 à 7 par terre. S'il le met, ça fera 8 à 8. Hein. Et ça nous promet une fin de partie extraordinaire. De rien, Manu. Il y en a 4. Tiens, je te présente Thomas, mon joueur préféré de Malissa. D'accord, enchanté Thomas. Voilà, j'aime bien Thomas. Ouais, c'est parce que il dit ça ce que j'ai pas signé à Malissa. Allez, 8 partout. Bon, là-bas, c'est super tendu là-bas. Ouais, c'est très très serré là-bas. Je sais pas s'il n'y a pas de 12. Il semble avoir entendu ça. Oh, lui, il est fort, lui. Ah, bah lui. Tu sais que j'ai eu la chance de rien, mais si, il était à part ça, j'ai joué avec lui des années. Donc. Avec le R1, ah oui, on a eu l'air pour le concours. Il était à part ça, je jouais avec lui en rien. Bah, moi, tu vois, je l'ai vu à Malissard quand on a fait la Rémi. Je connaissais pas. Ah, il est très fort. Il a été champion de l'un plusieurs fois, Davy. Tête à tête, doublette, triplette, d'accord. Il y a une année, il a gagné. Ah, bah, tu vois, eh ben, yeux blonds, hein, qui va engager sa mène. Et voilà, dans le bouchon encore. T'as pu gagner ? Non ? Je sais pas. Mais non, il reste deux boules au gars de Malissa, de Mours. On essaie de suivre aussi la partie d'à côté pour faire vivre le score. Ah, Davy a manqué. Voilà, baffe. Ah bien, déjà, il y a celle-là. Et Johan, il est au pied de la boule, elle n'a encore pas bougé. Il dit devant, il en tape à point, comme ça. Il a un tir mou, du coup, il rebondit. Celle-là, elle est bien tirée, il n'y a rien à dire. Hein. Ah, ben voilà, Mours a gagné sa doublette à côté, donc ben celle-là n'a plus de trop importance. Au niveau du score, puisque quoi qu'il arrive, Malissard aura gagné les deux triplettes. Il
Bien sûr qu'elle est pas payée, mon fifi, ça l'a on dit. Alors, ils vont sans doute la finir, hein, parce que c'est des joueurs. Et il y a le public. Mais c'est vrai que celle-là, maintenant, elle n'a plus trop d'intérêt dans le score. Puisqu'il y a 11 à... Il y a 11 à 7. Au niveau des points sur la rencontre. Donc, du coup... voilà. Donc, il y aura des triplettes, quoi qu'il arrive. Dommage, hein. Bon. Après, si t'avais une bonne arme d'être ça, après, ça jouait sans ça. Là, il y a 8 à 8. Ah, bien tiré de la part de Joris. Joris, je suis pas droit. Non, je ne joue pas Romaric. Dimanche, je joue à Decouville au triplette mixte avec Grégory Sapé et Frié Marion. En tout cas, je vous annonce que les triplettes, ça va être chaud électrique. Donc, je vous passe le bonjour de notre ami Chanamalalou, Gilles Chanal. Voilà, Gilles Chanal qui vient d'arriver sur le bord du terrain, tout excité là, on ne sait pas pourquoi. Mais il est là. Voilà, c'est ça. Et alors, ils ont vu quoi? Bah, que j'étais beau gosse. Au niveau du cerveau, ils n'ont vu pas voir grand chose. Ils ont vu que j'étais beau gosse. La dernière était pas qu'il était à ma chérie. Toi, t'as vu? Et après, tiens, elle essayait de faire sa tablette, elle avait toujours une main, elle caressait comme ça. Elle était super tactile, la fermière. Heureusement que n'avait pas un problème à la queue, parce qu'elle dit, oh, on vit l'électrode. Ça fait mon tour, Milou. Allez, là, et Fifi, c'est possible, je sais pas, mais en tout cas, ils tiennent, ils ont la boule. Hervé va jouer pour envoyer en face, je pense. Oh. Avec la cuvette, alors je sais pas si on a assez, hein, mais extraordinaire ce coup.
Les boules sont montées, sont redescendues avec la cuvette. Bah, pour yeux blonds, il fait... Bruno, dis-lui à Philippe, là, il tire. À Hervé, pardon. Voilà, il va l'enterrer, Hervé. Là. Là où il est fort, Hervé, c'est qu'il joue pas pour faire le spectacle, il joue pour gagner. Et du coup, parce que là, il y en a plein qui auraient tiré. Lui, tranquille, il sait qu'il va le gagner avec le point, il l'envoie, il gagne. Voilà. Voilà, alors qu'il y en a beaucoup qui auraient tiré, mais Hervé, voilà, il joue pour... C'est bien parce qu'il la joue pour la boîte TV, donc c'est bien. Et pour le public, c'est très bien qu'il a fini sa partie. À qui ? Mais t'entends ? Bonjour, c'est Nick Tirol. Oui, Mika, il la finisse. Il y a un monde dans le pétanchodrome, il y a plus de place. Même Gilles, qui est pas grand, il n'arrive plus à rentrer dedans. Il y a 11 à 8 pour Malissa. Pour Mours, pardon. C'est bien, Mika, on va pas se plaindre qu'il finisse sa partie. Tellement de personnes qui l'arrêtent, la partie en cours. Et voilà. Asio Blond, maintenant, il fait que des bouchons. Il va falloir le passer au contrôle dopage après. Johan. Johan qui va tirer. La pression, là, il y a du monde. Tout le monde regarde la partie, là. Il en a manqué un paquet, 10 devant. Alors là, il n'est pas tout à fait droit, mais... Il en a manqué un paquet, 10 devant. Allez, ouais, on tire. Il a tiré. Ouais, ça joue bien. Et ben Johan. S'il la tape, il aura fait du boulot, Johan aussi. Il est capable d'en poser un là. Bien tiré. Bien, Yo, super. Eh ben, Hervé, c'est bien, vous êtes plus de 80 à nous suivre. Déjà 155 commentaires sur le live, c'est très bien, ça. Depuis que Gilles est arrivé, ça roule, hein. Ils m'ont tous écrit. Julien en tire. J'ai bien tiré Julien dans la partie. Il tire vraiment bien lui. À mon avis, ils vont tirer au bouchon.
reste 3 boules en main, même s'ils tapent double, ils peuvent perdre. Ouais, la caméra, là, elle craint. Hein. Il a envie, Julien. Quand c'est un tireur, il a envie, généralement. Après, c'est vrai que s'il tire bien la boule qui fait carreau, tu peux espérer un truc, mais si tu fais pas carreau, t'as perdu. Julien veut tirer au bouchon, Johan veut tirer à la boule. Alors, tirer à la boule, il faut faire carreau, sinon c'est mort. Je pense que... Ah, c'est trop beau la journée. Il a raison de tirer à la boule. S'il fait un petit carreau, tu sais pas, ça peut... Voilà, par contre, s'il fait pas carreau, c'est fini, hein, quasiment. Ouais, mais même en tatouant deux fois, il restera deux boules à Joris pour marquer. Ah oui, oui, Gary. Ouais. Ouais. Il a dit, il ne m'a pas convié, c'est dommage. Je lui dis, mais il peut toujours venir, c'est pas trop tard. En même temps, Hervé, il serait meilleur, il pourrait jouer avec toi. Tu fais que des bouchons quand t'as démarré. Au début, t'as eu un peu de mal, après t'as fait que des bouchons. Ouais, et après t'as fait que des bouchons. Non, c'est pas Dupont. Il y en a un, il croit que tu t'appelles Dupont. Il y en a un, il croit que tu t'appelles Dupont. Non, mais un mec, il dit c'est Dupont de Pointer. Allez, à mon avis, celle-là va être finie. En forme, moyennement, je vous avoue que j'essaye de le faire, mais c'est un peu compliqué, ouais. Bon, il en a 3 pour gagner. S'il gagne cette partie-là, ils seront 14 à 7 après les doublettes. Donc Morse devra gagner les 2 triplettes. Une triplette pour se qualifier, pardon. Morse une triplette et Malissard les 2. Alors après, Malissard, ils ont les qualités. Attention, hein. C'est... À mon avis, c'est fini. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les triplettes. Donc Morse mène 14 à 7 après les doublettes. Voilà. Donc... ils n'ont plus qu'une triplette à gagner. Je vous donne rendez-vous dans 3 minutes. Non, un peu plus, Hervé, Philippe. Dans 5 minutes, les triplettes. Allez, ça marche.